suite. Remember it. Hey, salut tout le monde. Du coup, petite vidéo un petit peu particulière sur le campus de la Soltier Academy, dans une tenue un peu particulière, puisqu'il y a eu beaucoup de gens qui sont venus nous voir pour nous demander le patch de la Soltier Academy, ou en tout cas le blason de la Soltier Academy version patch, pour pouvoir l'utiliser dans l'airsoft sur du velcro. Du coup, les designers du campus de la Soltier Academy ont décidé de faire le blason de la Soltier Academy, mais version basse visibilité, pour pouvoir être utilisé pour les personnes qui soit l'utilisent dans le cadre de l'armée, soit l'utilisent majoritairement dans le cadre de l'airsoft, du paintball, etc., etc. Le patch d'abord de la Soltier Academy habituel, et puis l'autre, bien évidemment, ceux qui veulent une version basse visibilité du patch. Donc que ce soit l'un ou l'autre, c'est vraiment de la super qualité, c'est lavable, etc., c'est du PVC. Vous le savez, sur le campus de la Soltier Academy, on n'a pas envie de vendre des trucs qui forcément ne vont pas tenir dans le temps, surtout si on a envie de l'utiliser, comme c'est le cas pour moi tous les week-ends sur le terrain. Comme d'habitude, c'est dans la description que vous pourrez trouver directement le lien du patch. Merci infiniment à toutes les personnes qui ont déjà commandé ou celles qui vont commander à l'avenir. Ça participe à l'amélioration des programmes du campus de la Soltier Academy. Donc je vous remercie pour ça et puis bonne vidéo. Ciao tout le monde. Dimanche pluvieux pour opération humide. On peut, hein. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Les pieds dans l'eau, c'est avec Kevin que je découvre à tâtons ce qui nous attend aujourd'hui. Progression lente, on commence à se connaître. On va éviter de faire trop de bruit. L'adversaire n'est pas loin. Bah... Là, on a entendu. Le pauvre. Le tir était un peu appuyé. Ils sont partout. Et comme vous pouvez le voir, la végétation ne rend pas facile la tâche d'acquisition et d'identification des cibles. Il y a peut-être un moyen de contourner. Désolé. Nickel. En récupérant le top de cette colline, je donne un peu d'espace à ma squad qui était bloquée plus bas le long de la FOB. Moins un. On respire un peu, mais il continue d'arriver en horde. Et de deux. Parfait. Derrière le bosquet, top de la batterie, 2 2, 3, 3. Pour l'instant, il faut continuer à défendre. Chacun son secteur de tir. T'as out. Tireur sur la colline. Bien joué à lui. On m'annonce à la radio qu'il faut prendre le contrôle d'une pièce d'artillerie sur la colline avant leur base. Et tout ça, en moins de 15 minutes. Remis sur pied, je m'aperçois que le souci, c'est qu'en étant en groupe, avec cette végétation, ça se joue souvent à celui qui a la portée ou l'effet de surprise. Je vais continuer de mon côté à jouer seul pour aller dans ce sens. J'ai repéré l'artillerie. Parfait. Je vais tenter de protéger l'objectif 5 minutes max, le temps que les renforts restants appelés à la radio arrivent. Ça grouille en dessous et j'ai zéro visibilité. Wow, l'ennemi est proche. Bien joué toi.
Lol, skin élite. Là va dans la direction de mon bras, ça bouge. C'est lui qui est parti, je crois. Il nous reste environ 10 minutes pour essayer maintenant de prendre possession de cette FOB en face, avant d'attaquer leur base. Pas simple, parce qu'on a zéro visibilité sur ce qui se passe en dessous, devant ou même à l'intérieur de la baraque. On n'a pas le temps, je push. Contact en face. Super. Au final, la FOB est clear, mais nous voilà encerclés. On me tire dessus, mais je vois pas où. Et merde, ils vont venir me chercher. Oh fuck. Bien joué à lui. Il ne reste plus que 4 minutes. Il est temps de retrouver le gros de ma squad qui s'apprête visiblement, d'après les calls, à avancer vers l'ultime bastion ennemi. Merde, il y a encore du monde entre eux et moi. L'assaut est pour bientôt, faut que je les retrouve impérativement. Et voilà, la fin est proche. Les gars, c'est... On m'a dit qu'il ne reste qu'une petite poche de résistance dans la base ennemie, et il nous reste 180 secondes. Si on arrive à les dégager vite, on va niquer sur le temps. Là. C'est quoi, le shield là? C'est un mec à nous? Le shield, c'est pas à nous, et derrière, il y a un tireur. Vas-y, on y va. 60 secondes, c'est maintenant ou jamais. Les gars, faites gaffe, il y en a un juste à l'intérieur. Allez, ils sont prêts au piège, faut push. Allez, c'est bien, le fort, il va bien. Trois. J'en ai une autre. Les gars, on est en train de perdre du temps là. Il y a quoi? Let's go, faut se bouger. Tape dedans, chasser, mais je sais pas s'il y a du monde derrière. Fais gaffe à toi. Faut y aller, ils sont pris au piège. 30 secondes, il y a plus le temps, faut qu'on entre. Vous êtes prêts? On y va à 3, ok? Là, on s'en fout là. 3, 2, 1, go! Ouf! Terminé. C'était moi une. Et voilà. J'espère que vous avez apprécié cette petite opération par temps humide. Accrochez-vous et surtout abonnez-vous, car la prochaine vidéo va faire mal. Six out.